Nous-mêmes au niveau RENAVID, je dis à nous devant la presse, c'est pour nous capables de condamner le comportement PDG compagnie Digicel là qui c'est Maarten Boute. Dans un tweet qu'il fait suite à un plainte que nous avons déposé pour lui dans le paquet Port-au-Prince. Dans le tweet qu'elle fait, lui minimiser plainte là. Lui pas bail plainte là en régler rien pour lui. Lui dit tout simplement c'est 4 individus, 4 personnes qui t'allent devant paquet qu'elle fait bruit. Ça montre dans clair. Tout le monde qui a porté plainte devant la justice pour compagnie Digicel jodia que ou pas joindre justice parce qu'elle est contre le pays. Elle a raison parce qu'elle connaît élection Bizango Malachon sou vite fait en 2016 yo. C'est lui qui fait tête li passer pour conseil électoral, il était publié résultat élection ça yo 2h dans l'après-midi. Sans bureau vote porte quand même fermé. Et ça qui est plus grave, il était kon même envoyer message sur téléphone moun pour le demander voter candidat par là. Faut que jodi a, il a dit la justice dans le pays d'Haïti pas existé pour lui. Tout le monde qui a porté plainte la justice, c'est temps ou a perdu. Et bien jodi a dit Maarten Boute, récréation finie parce que ou pas qu'à sortir quand on sortir là son étranger que ou vient prendre nationalité haïtienne pour venir couper poche population, venir piller pour tourner avec une compagnie. A ou ça pour piller une population qui dans un niveau de pauvreté ça lié. Dans l'année 2017, député Garibodo a déclaré qu'il y a plus que 3000 plaintes qui déposées dans le bureau de la chambre députée pour Maarten Boute, pour même ça n'a déposé plainte pour aujourd'hui. Aucun suivi, pas de fête à plainte ça yo, parce que c'est ton jouet dans l'équipe li. Qu'est-ce qu'on a posé tête nous? Qui j'en fais sous 33 pays Digicel lié, ça a été la pigra pour lui. Pendant son pays, il y a plus de 6 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté. Ça veut dire Haïti, son pays, côté il y a toute liberté pour couper la population, hein, pour l'utiliser un système mafieux pour retirer l'argent dans la poche nous chaque jour. Si nous prenons un exemple, on dit malheureux, si tu as 2 millions dans yo, tu as 2 millions dans yo, qui t'a fait plan 27 ou bien 22 bout de 50 ans, dans la question Internet. Il y a possibilité pour Digicel couper la poche citoyen ça, pour le prendre environ 45 millions de gouttes chaque jour. 2 millions de moun seulement mettez oui. Et pendant Digicel gen même 5 à 6 millions abonnés. Et si on multiplie 45 millions ça par 30, là-bas nous environ 1 350 000 000 de gouttes que Digicel prend au mois, ça ne pas aucun service pour lui. Parce que pas aucun côté ou capable d'utiliser yon internet à une vitesse 2G parce que dans toute zone de province c'est 2G qui est lié. N'importe où, l'OL monte, c'est 3G qui est lié, son faux 4G lié, parce que Digicel pourquoi jamais atteint niveau 4G LTEA. C'est lui qui vrai 4G. 4G LTEA. Eh bien, ça l'utilisait son bagage pour le voler. Eh bien, je dis à la, dans la question option plan lieu, les dollars t'a monté, le démonté 17 hôtels. Jusqu'à présent, dollars descendent, ils quittent au même prix. Ils continuent à voler 4 personnes. Lorsqu'on dormit à souhait, si vous ne prenez tout 4 là, vous prenez centime là-dedans parce qu'ils mettent un réseau et mafieux. Ils ont une équipe mafia dedans. Ça veut dire pour récupérer 45 centimes ou bien 35 centimes chaque soir. Lorsque vous avez un téléphone, c'est parce qu'ils ne peuvent pas contrôler le compte. Ils utilisent une façon de piller la population. Quand même, c'est pour toutes les raisons que nous avons annoncé opinion nationale ou internationale que nous pouvons utiliser tout moyen pacifique et légal. Tant que sitting, manifestation, affiche dans toute nuit, graffiti, track pour arriver, forcer la justice, sanctionner compagnie Digicel, Jean la loi dit, pour vol, escroquerie, association malfaitée, pour permettre la population râler yon souffle en passant si ça, cap sous ces 100 peuple haïtien. Nous sommes une équipe qui a fait manifestation devant Digicel, immédiatement. Et les responsables du système, ils ont négocié avec eux, la bonté balle, mais nous va qui côté au passé. Est-ce que nous va nous pas risquer de prendre la même pièce ça tout? Eh bien, je vais répondre. Si nous tapons la pièce ça, nous tapons la pas déposer plainte. Parce que dans soin, lorsque nous avons déposé lettre dans les médias, nous avons mis objectif là. Dans matin, bon paquet de coups de fil qui t'a pris pas déposer plainte. Nous dit non. Pas aucun côté comme ça, moi décider pour porter plainte pour compagnie, pas aucun monde qui a pris pour dire pas déposer plainte. Depuis MTK prend courage au niveau RENAVID ou ensemble des citoyens pour nous déposer plainte là, c'est pas même petit mouvement qu'on a fait date mais non, je dis son plainte qui déposé devant la justice pour lui. Comme nous ouais, il pas respecter la justice, l'a minimiser la justice haïtienne parce que lorsqu'elle minimise plainte là, c'est pas nous le minimiser non, c'est la justice qui minimise. Il montrer par aucun juge qui attendait là bas et il va décider lui, il voit quelques avocats là, aïe baïe blague dans paquet mais même gens tout le monde qui font ça, qui conduit maintenant dans le paquet, Maarten Boute pour descendre dans le paquet, et là, ça, c'est la population qui a accompagné pour nous faire pression sur la justice, pour décision sortie en faveur de nous, puis sanctionner Digicel convenablement. Bataille, c'est pour une bataille qui fait pas maï, qui qu'on fait, qui qu'on est pas pour quelques petits qui de l'eau là sur l'île Tani, c'est totalement faux et archi faux. Bataille la fait route pour arriver jusqu'à ce que nous ayons une satisfaction au niveau RENAVID pour abonner Digicel yo. Pour jouer une justice avec compagnie parce qu'on ne peut pas capitaliser un bagage qui n'est pas vrai pour couper la population, pour qu'on nomme une population déjà vivant dans la pauvreté déjà. C'est Diéjus Pascal et porte-parole RENAVID qui c'est réseau national des abonnés victimes de la Digicel.